Bonjour, c'est Machiko du blog Apprendre le japonais, découvrir le Japon. Aujourd'hui, nous allons apprendre le kanji de la rivière. 今日は漢字の川を一緒に勉強していきましょう。D'abord, nous allons écrire ensemble. まずは一緒に書いてみましょう。さて、できましたか？Maintenant, nous allons voir deux types de lecture que les Japonais utilisent pour lire les kanji. 今から日本人が漢字を読むときに使う2種類の読み方を見ていきましょう。D'abord, la lecture 訓読み。La lecture japonaise correspond en général à la lecture d'un kanji isolé, mais pas toujours.訓読みは基本的にその漢字の音を聞いただけで漢字の意味がわかります。La lecture 訓読み、という漢字、c'est 川、え、川。この漢字の訓読みは川と川です。Par exemple, 川で泳ぐ。Nager dans une rivière. Quelques petites phrases. J'adore nager dans les rivières.私は川で泳ぐことが大好きです。Il y a beaucoup de poissons qui nagent dans cette rivière. たくさんの魚がこの川で泳いでいます。Maintenant, la lecture 音読み。Prononciation provenant du chinois à l'origine correspond en général à la lecture de plusieurs kanji associés, mais pas toujours. 音読みは基本的に、その漢字の音を聞いただけでは漢字の意味がわかりません。別の漢字と組み合わされることでその漢字の意味がわかります。La lecture 音読み、漢字、il n'y a pas.この漢字には音読みがありません。Si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire. もし質問があればコメント欄に書いてくださいね。Allez, bonne journée tout le monde. À la semaine prochaine. それでは皆さん、良い一日を。また来週。さよなら。